Bonjour à tous, voilà, heureux de se retrouver tous ensemble pour louer le Seigneur. Voilà, je veux aussi vous remercier pour tous les mots d'encouragement que vous faites passer. Et on veut ce matin encore tout simplement nous attendre au Seigneur, prier, louer le Seigneur. On croit que Dieu se réjouit des louanges de son peuple et on est venu avec un cœur disposé. Alors juste, je vois qu'il y a le chat aussi. On veut saluer tous ceux qui nous rejoignent. Là, je vois Leïla, la famille Marinov, et je sais qu'il y en a plusieurs autres. On aura l'occasion après, dans le culte, de vous saluer. Bon, nous, on se réjouit, parce qu'on sait que vous êtes avec nous de cœur. Et on s'attend vraiment à Dieu ce matin. On croit que Dieu va nous faire du bien. Dieu va aussi être glorifié, élevé par nos louanges. Voilà, donc à la maison, ne soyez pas spectateurs. Hein, surtout que nous, on ne chante pas super bien, mais... On est ensemble acteurs pour chanter de tout notre cœur et louer le Seigneur. Alors on va commencer. Il est ma force quand je suis faible, espoir, tout ce dont j'ai besoin. Il est toute ma vie, Jésus est ma paix. Amen. Voilà, et nous voulons aussi rappeler que nous avons la victoire en lui. Voilà, il n'y a pas de victoire en dehors de lui, mais en lui nous sommes vainqueurs. Et notre foi, c'est ce qui nous permet de triompher. Voilà, et aujourd'hui encore, et tant qu'on sera sur la terre, il y aura des combats. Mais dans chacun de nos combats, eh bien, on peut déclarer, je te fais confiance, j'ai confiance en toi, et nous sommes vainqueurs. Amen. Merci Seigneur, car en ton nom, tu nous amènes à triompher. Merci Seigneur, car tu nous donnes la victoire. Oui, merci Seigneur, car en ton nom, tu nous amènes à triompher. Merci Seigneur, nous avons la victoire. Alléluia, alléluia, nous avons la victoire par la puissance de ton nom. Jésus, tu es celui, alléluia, alléluia, celui qui trace le chemin, qui rend plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Car en ton nom, tu nous amènes à toi.
triompher. Merci Seigneur, car tu nous donnes la victoire. Oui, merci Seigneur, car en ton nom, tu nous amènes à triompher. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous avons la victoire. Alléluia, alléluia. Nous avons la victoire par la puissance de ton nom. Jésus, tu es celui. Alléluia, alléluia. Celui qui trace le chemin, qui rend plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Nous t'accueillons, Seigneur, vraiment chacun là où nous trouvons, nous plaçons dans la foi et nous voulons vraiment te louer, te célébrer pour qui tu es et te dire, Seigneur, merci parce que tu tiens nos vies dans tes mains. Quoi qu'il arrive, Seigneur, chaque jour tu as promis que tu serais avec nous et nous voulons te louer, Seigneur, pour ça. Amen. On va prendre ce chant. Prends mon cœur, Seigneur, voici mon cœur. Tu tiens ma vie dans tes mains. Wow.
tiens ma vie dans tes mains. Je suis attendu par ton amour, émerveillé car tu m'aimes. Tu tiens ma vie dans tes mains. Tu tiens ma vie dans tes mains. Et je n'ai pas peur. Ma vie est entre tes mains. D'amour, combien tu es notre Père, Seigneur. Nous voulons venir dans tes bras, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter toutes ces pensées à droite, à gauche, ou même ce que nous sommes. Nous voulons nous centrer sur ton amour pour nous, Seigneur Jésus. Cet amour qui ne faillit pas, cet amour qui est toujours le même, toujours là pour pardonner. Et Seigneur, donne-nous aussi de pardonner, Seigneur. Et viens dans ces temps faire du bien à nos cœurs. Merci Jésus, amen. La croix tu as portée, tu as payé de ta vie pour me racheter. Te bénissons ce matin pour le salut de notre âme. Te bénissons pour la grâce que tu as manifestée envers nous. Te bénissons pour l'éclairage. Tu nous as éclairés, tu es venu nous chercher. Et je te loue pour ma vie, Seigneur. Je me souviens ce que j'étais, combien j'étais perdu et malheureux.
et tu es venu me sauver. Je te loue, tu as donné le sens à ma vie, je te remercie. Je déclare ce matin à toi, Jésus, la gloire et la majesté. Je reconnais que le prix que tu as payé est grand pour que je sois sauvé. Tu as accepté de payer ce prix par amour, de donner ta vie, de verser ton sang. Et je te loue ce matin avec mes frères et sœurs. Nous t'adorons, Seigneur, et nous déclarons que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et que tu as toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et nous voulons que tu prennes plus de place dans nos vies. Nous te louons parce que dans nos incapacités, nous connaissons ta capacité. Dans nos faiblesses, nous connaissons ta force. Dans notre manque de sagesse, nous connaissons ta sagesse. Dans la tristesse, nous connaissons ta joie. Et dans le trouble, nous connaissons ta paix. Nous te louons, Seigneur, parce que malgré les difficultés, tu es la solution, tu es, Seigneur, notre provision, tu es notre source. À toi l'honneur et la gloire. Amen. Ensemble vers le Seigneur. Thank you.
porte de la bonne terre pour recevoir ta parole, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es la foi dans mon cœur, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu as quelque chose à nous dire, Seigneur, encore ce matin. Oh merci, Jésus. Oh, tu remplis, Seigneur, chaque frère et soeur ce matin, chaque enfant, Seigneur. Voilà, voilà. Alors on essaie de bien cadrer. Oui, c'est bon. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés à la maison. Voilà, je profite de ce temps juste pour voir un peu le chat. Voilà. Voilà, je vois Vanette, Fabrice, René, Thérèse, les Casarians. Voilà, je sais qu'il y en a d'autres. Je vous salue. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Et je pense bien à vous, voilà. Et j'espère vraiment que le Seigneur vous a fait du bien cette semaine et que on continue de chercher à mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà, vous savez, c'est pas automatique. Hein. Automatiquement, on aurait plutôt tendance à agir par la chair, mais bien, lorsque on écoute, je dirais, la voix du Saint-Esprit et qu'on cherche sa présence, on cherche à mettre en pratique sa parole, eh bien le Saint-Esprit agit. Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu, donc sans tarder, dans Matthieu chapitre 6, toujours dans cette série sur ce que le Père veut nous apporter dans la prière. Matthieu chapitre 6, verset 12, et on continue donc notre méditation sur le Notre Père. Voilà. Je pourrais le reprendre, hein, Matthieu 6, donc même à partir du verset 9, je vais reprendre. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Voilà, je voudrais qu'on puisse ensemble méditer la suite de ce modèle de prière et déclarer, vous dire ce matin que quand Jésus nous invite à prier de cette manière, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Jésus veut nous dire par là que Dieu veut nous pardonner. Dieu veut pardonner nos péchés et Dieu veut que nous pardonnions ceux qui nous offensent. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut te pardonner. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour toi? Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre cela parce que Dieu est notre Père. Et un Père n'a pas le désir de prendre son enfant et de le mettre dehors. Non, le Père a le désir de pardonner lorsqu'il y a une faute et puis d'éduquer, d'enseigner. Ça, c'est le cœur du Père. Et c'est important que nous soyons conscients que Dieu n'est pas là pour nous frapper, nous punir, nous juger. Mais Dieu est là pour nous pardonner, nous relever, et c'est vrai aussi, nous éduquer, nous enseigner, afin que nous puissions pécher de moins en moins. Amen. Le Père veut nous pardonner. Quand Jésus nous dit de prier, Père, pardonne-nous, ça veut dire d'un côté que nous devons reconnaître que nous avons besoin d'être pardonnés. Ça veut dire que nous avons besoin. Rappelez-vous, Jésus parle à des disciples. Quand il dit de prier, on ne parle pas à des inconvertis, il parle à ses disciples. Quand vous priez, dites notre Père. Donc il parle à des disciples et il leur dit, voilà, quand vous priez, dites pardonne-nous nos offenses. Parce que même si la Bible dit, lorsque nous avons reçu Jésus, nous sommes nés de nouveau, nés d'en haut, il y a en nous l'Esprit de Dieu, malgré tout nous sommes dans un corps de chair et donc il nous arrive de pécher involontairement. Le péché n'est plus quelque chose de volontaire parce que nous sommes nés d'en haut, nous avons une nouvelle nature et la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pèche pas. Et la suite dit, en fait, qu'il se garde lui-même. Ça ne veut pas dire, quand on dit qu'il ne pêche pas, qu'il ne pêche pas du tout. Non,
il va parfois pécher, mais il va se garder lui-même parce qu'il a la semence de Dieu, il a l'Esprit de Dieu en lui. Quand je suis né de nouveau, je ne veux pas pécher parce que j'aime Dieu. J'ai été touché par l'amour de Dieu. Mais malheureusement, il m'arrive de pécher. Et donc, Jésus nous dit, quand nous prions, de dire « pardonne-nous », ça veut dire reconnaître. Pardonne-nous nos offenses, reconnaître que j'ai besoin d'être pardonné. L'orgueil nous empêchera de faire cette prière. L'orgueil passera vite sur nos erreurs en disant « ah ben ça va, j'ai pas besoin ». Mais l'humilité nous amènera à reconnaître que nous avons parfois péché contre Dieu ou contre les hommes. Et reconnaître, dire « Seigneur, oui, pardonne-nous nos offenses ». Premièrement, reconnaître nos transgressions. Reconnaître nos offenses. Demander pardon à Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit sur Dieu, sur le pardon? Dans Nombre 14, 18, il est dit que Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité, la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Nous savons que quand nous avons donné notre vie à Jésus, Jésus nous a donné une nouvelle nature, Jésus nous a pardonné. Et aujourd'hui encore, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Et lorsque nous péchons, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Non, mais il va y avoir l'action du Saint-Esprit. Eh bien, la Bible dit l'Esprit qui amène une tristesse pour nous amener à la repentance. Et évidemment aussi, je dirais, son amour pour nous relever et sa parole pour nous enseigner. Et donc, pardonne-nous nos offenses, c'est reconnaître le mal, parce que le mal doit être reconnu, mais c'est aussi, eh bien, recevoir ce qu'on va voir maintenant, recevoir son pardon. Vous savez que quand Jean-Baptiste est venu, Jésus est venu, ils ont prêché le pardon et la repentance. La repentance et le pardon des péchés. Pourquoi ? Parce que le travail du Saint-Esprit, c'est en même temps, le Saint-Esprit nous convainc. Alors là, je parle par contre quand on n'a pas encore rencontré le Seigneur, il convainc de péché. Et puis, il convainc de son amour et nous l'acceptons. Mais ensuite, dans la marche chrétienne, le Saint-Esprit continue à nous parler. Lorsque nous faisons mal, il continue à nous convaincre que ce que nous avons fait, c'est mal. Et il continue aussi à nous rappeler, eh bien, que le Père nous aime, que nous sommes enfants de Dieu et que ce n'est pas notre identité de pécher, de faire de mauvaises choses. Amen. La Bible nous dit, hein, Jean 2, 1, qu'en tant que croyant, né de nouveau, que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Nous avons un avocat. Et il y a, c'est vrai, je dirais, parmi la famille chrétienne, ce besoin que nous avons d'un côté de reconnaître nos fautes, reconnaître nos péchés, oui, le reconnaître, demander pardon à Dieu, mais d'un autre côté aussi de saisir, d'accepter le pardon de Dieu, de recevoir le pardon de Dieu. Parce que nous avons un avocat, parce que c'est souvent dans ces moments où nous péchons, que Satan vient pour nous culpabiliser, nous condamner, nous accuser, nous décourager, et il vient avec toutes sortes de pensées, ou nous dire c'est pas grave, relativiser, etc. L'Esprit de Dieu qui est en nous, nous montre, oui, le péché c'est grave, oui, il faut le reconnaître, il faut le laisser à Dieu, et en même temps, l'Esprit qui est en nous, nous montre que Dieu veut nous relever, il ne nous condamne pas, il ne nous juge pas, il ne veut pas que nous restions dans la culpabilité, mais il veut que nous puissions reconnaître, et peut-être avec l'erreur, la faute que nous avons fait, nous puissions aller dans la parole et laisser maintenant la parole nous changer et nous transformer. Amen. Le Père nous a donné son esprit pour que nous vivions vainqueurs sur le péché. Il nous a donné Jésus-Christ pour pardonner nos péchés. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Et oui, j'aimerais te dire, si tu es enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et si tu es enfant de Dieu, il y a dans ton cœur ce désir, c'est, je dirais, cette haine du péché et ce désir de plaire à Dieu. Mais tu es dans ce combat, on est dans un corps de chair, dans le combat. Et c'est à cause de cette chair aussi qu'il y a parfois des péchés, il y a des erreurs. Parfois, nous écoutons la chair et donc nous nous éloignons de la volonté de Dieu. La Bible nous montre que le diable est appelé l'accusateur. Il nous accuse, il nous condamne. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça nous empêche de nous approcher de Dieu, ça nous fait perdre de l'assurance devant Dieu, ça nous décourage dans notre relation avec Dieu. Et là encore, il y a la volonté de Dieu, c'est que tu fixes tes pensées eh bien, sur le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Le point d'appui du pardon de Dieu, c'est la croix. Quand Jésus meurt, il a vaincu les péchés. La Bible dit que nous sommes pardonnés de toutes nos iniquités, les présents, les passés, les présents, les avenirs. Ça n'enlève en rien le fait que
il y a cette attitude de cœur de reconnaître, mais il doit y avoir en nous la foi pour être pardonné, parce qu'il est justement notre Père. Et le Père est un bon Père qui aime pardonner, mais aussi nous éduquer, nous enseigner, pour nous transformer, pour que nous soyons de plus en plus ressemblants à son image. Vous savez, quand on pêche, si on n'est pas relevé, on ne peut pas être transformé. Si on est sous la culpabilité et la condamnation, vous allez facilement tomber encore dans d'autres péchés. Mais si vous laissez le Saint-Esprit, la parole vous relever, l'amour de Dieu vous relever, vous laissez le pardon de Dieu prendre place, eh bien vous aurez une force pour être changé, pour être transformé. Il y a des années en arrière, jeune converti, et j'ai gardé ça pendant longtemps, lorsque je péchais involontairement, eh bien il y avait une culpabilité qui s'installait et je perdais confiance en Dieu, je n'osais pas m'approcher de Dieu, c'était difficile. Et même si je savais intellectuellement que Dieu pardonnait, je n'arrivais pas à le recevoir dans mon cœur. C'est comme s'il fallait que je paye pour que Dieu puisse m'accepter. C'est comme si le sacrifice de Jésus ne suffisait pas. Et je me souviens avoir cherché le Seigneur. Je me souviens de ces moments où je marchais dans mon salon et je disais, Seigneur, mais comment je peux recevoir ce pardon, le saisir? Et je suis tout simplement allé dans la parole de Dieu. Et dans ce verset, dans une certaine traduction de Michée 7,18, j'ai découvert quelque chose, c'est que non seulement Dieu pardonne, mais la Bible dit, dans une certaine traduction, c'est dit comme ça, c'est que Dieu prend plaisir à pardonner. Dieu prend plaisir à faire grâce. J'ai compris ce jour-là que Dieu étant mon Père, non seulement voulait me pardonner, mais qu'il prenait plaisir à me pardonner. Et nous allons voir pourquoi Dieu veut nous pardonner. Parce qu'il y a, des raisons à cela. Dieu veut pardonner, ça m'a libéré. J'ai compris que je pouvais délaisser mon... Bon, bien sûr, j'étais triste de pécher, de mettre en colère ou toutes sortes de choses, mais Dieu pouvait me relever et me donner de l'assurance. Je n'étais pas obligé de porter la culpabilité pendant des jours et des jours. Et c'est dans ces moments souvent que le diable envoie ses mensonges. Tu es comme ça, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas digne de Dieu, etc. Et ça, ce sont des choses où en tant que chrétien, nous devons triompher, réaliser sa justice et être affermi dans sa justice. Amen. Parce que pour le coup, ça nous dirige vers la chair lorsque nous pensons comme ça. C'est l'apôtre Jean qui connaissait le cœur de Jésus et on l'appelle l'apôtre de l'amour parce qu'il était proche de Jésus. Dans 1 Jean 1,9, il dira ceci, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Si nous confessons nos péchés. Et confesser les péchés, c'est les reconnaître en fait. Tout simplement confesser, reconnaître les péchés, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ça va amener notre Dieu, qui est un Père fidèle et juste pour pardonner et purifier tous les péchés. Ça, c'est la parole. Et ce que Dieu veut, c'est le Père, tout ce qu'il veut, c'est que je reconnais, comme un enfant, je reconnais, c'est vrai, l'orgueil peut nous amener à ne pas reconnaître et amener la faute sur l'autre. Et souvent, quand il y a des problèmes, eh bien, il peut y avoir la faute sur l'autre, il peut y avoir la faute chez nous aussi. Ça va? Problème de son, donc on essaye de régler le son. Ouais. Attends, j'ai fait un truc. Voilà, mais je vais continuer. Voilà, tout simplement, le besoin de reconnaître, je reconnais mon péché, je reconnais l'erreur. Souvent, vous savez, l'Esprit de Dieu va nous le faire sentir, la parole. Des fois, c'est les gens eux-mêmes qui vont vous le faire sentir, ils vont vous le dire. Là, tu m'as blessé, là, tu as fait ça. Alors, on peut facilement dire, non, c'est ta faute. Mais l'Esprit de Dieu va nous amener toujours à nous remettre en question nous-mêmes. Certainement que l'autre aussi a besoin de se remettre en question, mais c'est important de reconnaître. Mais deuxièmement, c'est important de prendre le pardon de Dieu, de saisir ce pardon. Je reconnais, je confesse mes péchés, et il est fidèle et juste pour me pardonner. Je prends le pardon. C'est comme si Dieu, il tendait le pardon, et que tu es là et tu dis non, je ne mérite pas, je ne mérite pas. Je sais qu'il me pardonne, mais je ne le crois pas. À un moment donné, je le crois, je saisis le pardon de Dieu. Je saisis le pardon de Dieu. Et c'est vrai que, alors la volonté de Dieu, c'est que nous soyons conscients de son royaume. La volonté de Dieu, c'est que
nous cherchions sa volonté, nous nous nourrissions de sa parole, et en faisant cela, c'est vrai que nous allons nous garder de la chair et de péché. C'est souvent quand nous ne cherchons plus ces choses, eh bien que nous nous retrouvons à désobéir, à pécher. Même si ce n'est pas, volontaire ou prémédité, néanmoins, c'est ce qui arrive. Donc, Dieu nous appelle, évidemment, c'est pour ça que dans le Notre Père, il y a tout le début, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Si nous prions cela, si nous nous attachons à cela, eh bien, je dirais qu'il y aura moins besoin, quelque part, d'être pardonné. Mais on est sur la terre, dans un corps de chair, nous avons besoin de faire cette prière, pardonne-nous nos offenses. Pierre, à un moment donné, va demander à Jésus, mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère ? Donc, on est là, on parle bien du pardon dans la vie des croyants, des chrétiens. Et il va dire, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois dans une journée ? Et Jésus va lui dire, jusqu'à 70 fois, 7 fois, s'il revient repentant. Alors, ça, quand on entend ça, on se dit, oula, il y a besoin de Dieu. On se dit, oula, c'est peut-être, ça dépasse ma capacité. Surtout que s'il pêche plusieurs fois, on peut se poser la question s'il se repent vraiment. Mais pourtant, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Elle veut nous amener vraiment, eh bien, à pardonner. Et si la parole nous amène à pardonner, je reviens au point que je suis en train de développer, à combien de fois de raison le Père, il veut nous pardonner même si nous péchons plusieurs fois. Bien sûr qu'il veut que nous nous repentions, mais quand bien même, parfois, il y a ces raisonnements, ouais, mais là, je suis allé trop loin, je tombe toujours dans le même panneau. Mais si Jésus nous a dit de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, à combien de fois de raison le Père, il nous pardonnera aussi comme ça. Bien sûr, sa volonté, c'est qu'on pêche de moins en moins. Sa volonté, c'est qu'on cherche son royaume. C'est qu'on marche par l'esprit pour éviter les pièges du diable. C'est sa volonté. Mais si nous sommes comme des petits enfants et que nous péchons beaucoup, bien, nous avons un avocat et le Père nous pardonne. Amen. Mais voulons grandir avec Dieu. Voilà. Alors, pourquoi le Père veut nous pardonner ? Pourquoi Dieu veut nous pardonner ? Alors déjà, je l'ai dit, Dieu veut nous pardonner parce qu'il est notre Père, parce qu'il est un Père aimant. Amen. Et comme un Père, quand on prend l'image d'un Père qui a des enfants, et quand il fait une faute, le but, c'est quoi ? C'est de relever la faute, d'accord ? Il y a une tristesse, et on relève la faute, et puis on pardonne l'enfant, et on lui explique, on l'enseigne pour ne pas refaire la faute. C'est le but. Et le Père, c'est de la même manière, eh bien, il veut nous pardonner, donc Dieu veut nous pardonner parce qu'il est notre Père. Parce que, eh bien, il veut nous relever, il veut nous enseigner. Amen. C'est ce qu'il veut faire. Je dirais, pourquoi le Père veut nous pardonner ? Eh bien, parce qu'il nous aime. Il nous aime. Et parce que le Père sait que le péché est grave. Le Père sait que s'il ne nous pardonne pas, eh bien, le péché détruit nos vies, la culpabilité, la condamnation, toutes ces choses détruisent nos vies. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le Père veut nous pardonner et il veut nous transformer. Il veut faire de nous des vainqueurs sur le péché parce que le péché est vraiment le problème de l'homme. C'est pour ça qu'il a mis son esprit en nous et c'est pour ça que son esprit nous aide à ne pas agir comme le monde, à ne pas faire agir par la chair, mais son esprit nous amène à agir et vivre selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est important pour nous de développer notre sensibilité, notre communion avec le Saint-Esprit et de marcher par l'Esprit. Parce que le Père ne veut pas que tu sois troublé par le péché, le Père ne veut pas que tu sois détruit par le péché et que tu troubles les autres et que tu détruises les autres. Donc, c'est parce qu'il nous aime, parce que le péché est grave, eh bien, il veut nous pardonner, nous délivrer. Pourquoi aussi il veut nous pardonner, le Père ? Parce qu'il en a payé le prix. Parce qu'il a payé un prix pour que le pardon soit possible. Notre Dieu est un Dieu saint, notre Dieu est un Dieu juste. Il ne pardonne pas comme ça. Alors on dit qu'il pardonne gratuitement. Oui, pour nous c'est gratuit. Mais il a fallu que quelqu'un paye. Et c'est Jésus qui a payé. Il a payé de son sang un prix tellement élevé pour que toi et moi nous puissions être pardonnés. Donc, c'est important que tu comprennes que quand tu pèches, bien sûr, il y a cette tristesse, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, et que le Père a tout payé pour pouvoir pardonner, te relever et t'enseigner. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Vous savez, condamner un homme lui donne de la force pour se détruire, mais faire grâce à un homme lui donne de la force pour reconstruire. Et je viens donc au point suivant. Pourquoi le Père veut nous pardonner ? Parce qu'il veut qu'on vive son héritage, parce qu'il veut qu'on vive sa vie.
Quand il y a le péché, il ne peut pas y avoir la vie de Dieu. Or, Dieu veut nous pardonner pour que nous puissions vivre la vie de Dieu, que nous puissions vivre les plans que Dieu a pour nous. Dans Actes 26, 18, il est dit à ceux qui donc, passent des ténèbres à la lumière, qu'ils reçoivent le pardon et l'héritage avec les sanctifiés. C'est-à-dire que je reçois le pardon et ce qui fait que je suis, il n'y a plus de séparation entre Dieu et moi, il n'y a plus de problème. À cause de Jésus-Christ, j'ai été pardonné, j'ai donc accès au royaume de Dieu. C'est pour ça que je peux prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. J'ai accès au royaume, au règne de Dieu, à sa paix, à sa joie, à sa vie, à sa puissance, à sa grâce, à son inspiration. J'ai accès à tout cela parce que je suis pardonné. Si je n'étais pas pardonné, je suis coupé de la vie de Dieu, coupé du royaume de Dieu. Or, Dieu veut que nous vivions son héritage. Dieu veut que nous puissions le représenter sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Et en fait, et pour arriver au point suivant, maintenant, on va voir que le Père veut qu'on pardonne ceux qui nous offensent. En fait, quand on regarde bien la parole de Dieu, on voit qu'en réalité, à la croix du calvaire, on est déjà pardonné. À la croix du calvaire, l'homme est déjà pardonné. Et l'homme, tout ce qu'il a à faire, le pardon est là, c'est d'entrer dans ce pardon au travers de ce qu'on vient de voir, reconnaître mon péché et accepter le cadeau. Je ne le mérite pas, c'est pour ça que ça s'appelle la grâce, mais justement, tout le mérite lui revient. Et alors que je le reçois, eh bien, je vis dans son amour, je vis son héritage, que son nom soit béni. Amen. Alors j'aimerais voir maintenant, deuxième point, oui, le Père donc pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le Père veut qu'on pardonne ceux qui nous offensent. Amen. Le Père veut qu'on fasse comme lui. Et j'aimerais juste, avant de développer un peu ce point, dire ceci. Dans Matthieu 18, vous avez cette parabole de cet homme qui devait 10 000 talents à son maître. En fait, 10 000 talents, si vous regardez la valeur, par exemple, si vous prenez 4-5 talents, il fallait une vie pour les gagner. Donc 10 000 talents, une vie ne suffisait pas. Enfin, 5 talents, c'était plutôt 30-40 ans à peu près. Et pour gagner cette valeur-là, les chercheurs disent ça. Mais quand on regarde 10 000 talents, une vie ne suffisait pas. C'est-à-dire que la dette de cet homme ne pouvait pas être remboursée. En fait, il ne pouvait pas, il était condamné à rester en prison jusqu'à la fin. Et on voit que le maître lui fait grâce. Ça, c'est l'image de Dieu envers nous. Il nous fait grâce d'une dette que nous ne pouvions pas rembourser. Sans Jésus, nous ne pouvions pas nous sauver de nos péchés. Nous ne pouvions pas, par nos bonnes actions, rattraper le mal. Nous étions condamnés à l'enfer, condamnés à être loin de Dieu, comme cette dette de 10 000 talents. Mais on voit que le maître fait grâce à ce serviteur de 10 000 talents. Et il y en a un autre, il lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est 3 mois de salaire. Et là, donc pareil, celui qui devait lui demande « fais-moi grâce, fais-moi grâce ». Et donc celui à qui le maître a fait grâce des 10 000, il voit qu'il y en a un qui lui doit 100 deniers et il ne lui fait pas grâce. Il ne le pardonne pas. Quand le maître apprend ça, quand le maître qui a remis les 10 000 talents apprend que lui n'a pas fait grâce pour 3 mois de salaire, il va le chercher et il le met en prison, il le livre au bourreau. C'est une image de quoi ? Dieu nous a pardonné l'impardonnable et Dieu nous demande de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. La dette qui nous doivent est moins bien grande que la dette que nous devions à Dieu. L'offense que nous avions faite contre Dieu était irréparable. Alors je ne dis pas que ce que les gens font n'est pas grave, parfois il y a des choses quand même qui sont graves, mais si Dieu nous a pardonné, nous sommes appelés à pardonner les autres. Nous devons réaliser, plus je réalise la grâce qui m'est faite et plus je suis en capacité de faire grâce aux autres. Souvent, les gens qui ne pardonnent pas, qui ne font pas grâce, ne mesurent pas et ne réalisent pas la grâce que Dieu leur fait. Nous sommes vivants en bonne santé, la main de Dieu est sur nous, il nous protège, il nous garde, il nous donne son héritage, tout ça par grâce. Nous ne méritons rien. Et c'est important qu'on comprenne que, oui, je pardonne mon prochain, parce que Dieu m'a pardonné. Ce cadeau est extraordinaire. Quand vous regardez dans le Nouveau Testament le mot pardonner, vous trouvez plusieurs mots. Il y a d'abord le mot aphésis qui parle de remettre la dette. Il y a le mot aussi aphiemi qui veut dire laisser. Alors c'est assez étonnant, mais quand le mot là qu'on a lu pardonne-nous comme nous pardonnons, c'est aphiemi, c'est-à-dire laisse.
Laissez à Dieu les offenses. Quand on fait du mal, laissez à Dieu. Et c'est le même mot qu'on voit quand, par exemple, dans la parole, il dit si on veut ta tunique, laisse-la ton manteau. C'est le même mot. Ou quand Jean-Baptiste veut baptiser Jésus, Jésus lui dit laisse faire. C'est le même mot en fait. Pardonner, c'est quelque part laisser. Laisser à Dieu. Laisser l'offense, ne pas garder, ne pas nourrir. Amen. Alors, ça ne veut pas dire, pardonner ne veut pas dire que la parole de Dieu nous montre que si ton frère a péché, va et reprends-le. On peut reprendre. Mais disons qu'avant de reprendre, il faut d'abord être maître de nous-mêmes. On peut reprendre pour amener la personne à réaliser la faute. Et la Bible dit, si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Il y a cette notion de pardon. On peut montrer la faute, mais Dieu nous appelle à pardonner. Pardonner, qu'est-ce que c'est ? Dans la Bible, pardonner, c'est dire du bien, faire du bien, prier pour la personne. Voilà, c'est ce que la parole de Dieu nous montre d'une manière pratique. Pardonner. Ne pas retenir l'offense. Voilà, le relâcher, apporter la blessure, le fardeau à Dieu. C'est aussi pardonner un positionnement dans nos pensées. Il y en a qui disent, moi je pardonne mais j'oublie pas. C'est-à-dire que je pardonne mais je garde en mémoire. Non, le vrai pardon de Dieu décide de se positionner, véritablement positionner ses pensées dans une grâce qui est faite à la personne. De ne pas retenir l'offense. Le diable aime nous envoyer toutes les pensées d'offense, du mal qu'on nous a fait. Et quand nous pardonnons, nous décidons de ne pas garder ces pensées. Alors, il y en a qui diront, mais moi, je ne peux pas pardonner. Alors, peut-être que tu ne peux pas, mais la question, c'est ce que je le veux. Parce que si je veux pardonner, Dieu me donne le pouvoir de pardonner. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. Mais nous avons vu dans le service de Dieu comment Dieu fait des miracles. Comment, quand un homme veut pardonner, comment Dieu donne le pouvoir et la capacité. On donnera un exemple tout à l'heure. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire non plus qu'on devient les meilleurs amis du monde. Non, la confiance doit se gagner. Être un ami de quelqu'un, c'est quelque chose qui se gagne. Mais ça veut dire qu'on est en paix avec la personne. On est en paix autant que cela dépend de nous. Pardonner, c'est relâcher et c'est remettre la dette. Maintenant, je voudrais qu'on voit ensemble pourquoi pardonner. Pourquoi il est important pour nous, chacun, de pardonner. Alors premièrement, on l'a dit, ben parce que le Père nous pardonne, on vient de le dire, et l'Esprit qui est en nous est un esprit de pardon, qui nous pousse à pardonner. Il y a un lien entre le fait d'être pardonné et de pardonner. Donc, bon, je ne m'étends pas dessus, on en a parlé. Deuxièmement, pourquoi pardonner ? Parce que si nous ne pardonnons pas, nous donnons accès à Satan, et ça c'est important. Nous donnons accès à Satan. Dans l'image, la parabole de cet homme qui ne remet pas la dette, la Bible dit qu'il est livré au bourreau. Et je crois que lorsque nous ne pardonnons pas, nous donnons accès à Satan. Satan peut avoir une certaine action dans nos vies. Il est dit dans 2 Corinthiens 2, 11, « Pardonnez afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. » Vous voyez, c'est ce qui est écrit. Donc, et c'est vrai que j'ai pu voir dans le service de Dieu, c'est assez étonnant, mais parfois on prêche sur le pardon, on voit des guérisons. Ce qui veut dire qu'il y a des maladies qui viennent à cause du fait qu'on ne pardonne pas. Il y a des problèmes de santé qui sont là à cause du fait qu'on ne pardonne pas. Je ne dis pas que tous les problèmes de santé sont liés à cela, mais il y en a où ça vient vraiment de cela. Donc, et quelque part, ça peut être ces bourreaux, ça peut être ces conséquences, cet accès à Satan. Le trouble, évidemment, dans notre âme, et je pourrais parler... je pense à Siméon et Lévi. Si vous connaissez l'histoire de Siméon et Lévi, la Bible dit que leur sœur, elle a été déshonorée et ils n'ont pas pardonné celui qui avait fait cela. Et ils ont tué tout le monde. Et à cause de cela, dans Genèse 49, verset 5, on va le lire. Genèse 49, verset 5, regardez ce qui est dit. C'est dans la bénédiction de Dieu envers les fils de Jacob. Il est dit... Simon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Vous voyez, à cause... Et voyez, quand on voit cette haine, elle venait de quoi ? Elle venait d'un problème. Elles n'ont pas pardonné ce qui a été fait à leur sœur.
Et ça les a amené la violence, la haine, et ça a amené en fait quelque part à passer à côté du plan de Dieu pour leur vie. Et vous savez, si on ne pardonne pas, la haine s'installe, la colère, l'amertume s'installe et elle grandit et elle nous fait passer à côté du plan de Dieu. On ne peut pas vivre la vie, la paix, la joie de Dieu avec en même temps l'amertume, etc. Non, la parole de Dieu nous dit que voilà, s'il y a des racines d'amertume, ben, on se prive de la grâce de Dieu. Voilà, si on laisse des racines d'amertume, on se prive nous-mêmes de la grâce de Dieu. Pas que Dieu nous punit, hein, c'est pas ça. C'est qu'on s'expose à Satan et on permet à Satan d'agir et donc Dieu n'a plus accès, je dirais, à notre vie. Et ça, c'est très important de le saisir parce que, oui, pourquoi pardonner? Pour ne pas donner l'accès à Satan. Même dans nos nuits, même dans les cauchemars, toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de conséquences qui peuvent se produire quand je garde. Et puis, vous savez, le fait de ne pas pardonner ou de se venger, ça n'amène pas la joie ni la paix. Mais la Bible dit, à moi la vengeance, la rétribution. Dieu nous demande de lui remettre ce fardeau et de le laisser s'en occuper. Amen. D'ailleurs, pardonner, comme j'ai dit, c'est laisser. Et dans Hébreux 12:15, il est dit que si nous ne pardonnons pas, nous pouvons troubler et infecter les autres. Et ça, c'est vrai. Si nous gardons de l'amertume, nous allons influencer sans que nous en rendions compte. Nous allons donner de la colère, de l'amertume, de la rancune autour de nous. Autrement dit, ça va ressortir, ça va rejaillir autour de nous. Voilà, bon, ça c'est... Pourquoi pardonner dans les conséquences négatives? Mais je voudrais vous montrer aussi pourquoi pardonner dans les conséquences positives. Eh bien, je dirais parce qu'en pardonnant, en remettant à Dieu, tu permets à Dieu, lui, de faire justice. Tu permets à Dieu de s'en occuper. Amen. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph, entre nous, les frères lui ont fait du mal. Et on voit quoi? Que Joseph, il n'a pas cherché à se venger. Il n'a pas nourri l'amertume. Certainement, il a dû lutter avec ça, mais on voit dans ses actions qu'il n'a pas laissé l'amertume conduire sa vie. Et on voit quoi? Eh bien, on voit Dieu faire justice à Joseph. On voit Dieu, alors que les frères l'ont abaissé, on voit Dieu élever Joseph. Non pas l'élever pour dire, voyez, moi, Dieu m'a élevé, vous, vous a abaissé. Non, l'élever pour qu'il puisse les bénir, leur faire du bien. Mais on voit vraiment... que même s'ils ont voulu lui faire du mal, d'ailleurs, si vous remarquez dans la parole, ils l'ont envoyé, ils ont dit, on verra ce que deviendront tes songes. Comme pour dire, voilà, on t'écrase, on verra. Mais quand tu laisses pas l'amertume remplir ton cœur, Dieu est capable d'un mal d'en sortir un bien. Et Dieu, ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir son plan. Écoutez bien, le mal qu'on nous fait n'empêche pas Dieu d'accomplir son plan. C'est si on garde la rancune, l'amertume et la colère que là, le plan de Dieu peut avorter. Mais si, eh bien, je dis, Seigneur, non, je décide de pardonner comme tu m'as pardonné, c'est difficile, j'en parle comme ça, mais ce n'est pas toujours facile. Je viens devant toi, eh bien, le Seigneur va faire un miracle dans mon cœur et il va conduire ma vie, il va agir dans ma vie. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Vous voyez que, en fait, on peut se priver soi-même de la grâce de Dieu. Ça veut dire que si on pardonne, on n'est pas privé de la grâce de Dieu. La faveur de Dieu est pour nous et elle se manifeste. Amen. Je pense à Jephté, je ne développe pas, mais Jephté, il a été rejeté par ses frères. Et quelques temps plus tard, ses frères vont lui demander de l'aide et c'est Jephté qui va les secourir. Oh, la justice de Dieu est extraordinaire. Et bien aimé, parfois on voit la justice sur la terre et si on ne la voit pas sur la terre, on la verra dans le ciel. Mais sachez une chose, Dieu est juste. Et ce que nous devons désirer, ce n'est pas la condamnation ou, je dirais, le malheur des hommes. Parce que nous ne luttons pas contre les hommes, mais contre des dominations, contre des influences, des démons qui agissent. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas responsables. Les gens sont responsables de leur acte, mais notre combat n'est pas contre les gens, contre ces dominations. Et dans notre position de pardonner, et dans notre prière pour que les personnes soient libérées, bien Dieu fait des miracles, Dieu agit et Dieu transforme les gens. Et j'arrive au dernier point qui est tellement important, je voudrais partager avec vous. Pourquoi pardonner? Eh bien écoutez bien, non seulement ça permet à Dieu de vous faire justice, mais ça permet l'œuvre de Dieu dans la vie des personnes qui sont autour de vous. C'est-à-dire, si tu pardonnes, les autres vont être bénis à cause de cette décision que tu as prise. Souvent, vous savez ce qu'on veut faire quand il y a un problème? On dit, ah non, ce n'est pas moi qui vais faire le premier pas. Hein. C'est l'autre qui va faire le premier pas. Mais
Le sage, selon Dieu, c'est celui qui fait le premier pas. Celui qui est humble, c'est celui qui fait le premier pas et qui dit, même si l'autre ne veut pas, moi je veux régler ce problème. La Bible dit d'être en paix autant que cela dépend de moi. J'attends pas que l'autre le fasse. Je le fais moi parce que c'est devant Dieu et parce qu'il en va de ma vie. Comme on l'a vu, il y a des conséquences positives et négatives. Et voyez, regardez Joseph. Joseph, on lui fait du mal, il pardonne. Et le fait que Joseph ne garde pas rancune, eh bien écoutez bien, va amener la repentance dans le cœur de ses frères. Ça va amener une transformation dans le cœur de ses frères. C'est quand même étonnant quand les frères viennent. Alors c'est vrai qu'on voit Joseph qui teste un peu leur cœur pour voir si ils sont attachés à Benjamin. On voit qu'il regarde leur état de cœur, mais il va les bénir. Il va faire un repas. Et puis quand il va se révéler comme Joseph, il va dire « N'ayez pas peur, je suis venu pour vous sauver. » Il va leur faire du bien. Et le fait de faire du bien aux ennemis, ça va changer le cœur des ennemis. Les frères vont être transformés, leur cœur va être touché. Ils vont réaliser leur péché. Vous savez, des fois, nous, on est là, on veut dire « Ce que tu fais, c'est pas bien, etc. » Mais ça convaincra jamais quelqu'un de pécher. Ça va juste l'amener à s'énerver contre vous. Mais quand tu montres ton désaccord, mais malgré tout, tu montres l'amour que tu as pour la personne. Ça peut amener le Saint-Esprit à montrer eh bien, le besoin d'être pardonné, la gravité du péché. Et Joseph, oui, en gardant son cœur, il va permettre la repentance dans le cœur de ses frères. Jésus, en acceptant de mourir à la croix du calvaire, il va permettre le salut de l'humanité. Mais quand vous savez, il va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il va permettre le salut du brigand sur la croix. Comment ça se fait que le brigand, les deux au début, si vous regardez bien les textes, ils se moquent de Jésus? Puis à un moment donné, il y en a un qui change, il reconnaît, quelque chose s'est passé, un changement en lui. C'est lorsqu'il a vu Jésus pardonner. Lorsqu'il a vu, moi je le crois, c'est pas écrit, mais je crois que c'est quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et là on voit un changement dans le cœur du brigand. Oui, le pardon que je relâche, il va amener une transformation dans la vie des gens. Et c'est vrai qu'il y a des moments, oui il y a des choses on peut pardonner par nous-mêmes, mais il y a des choses vraiment... Il y a besoin de la grâce de Dieu parce que notre cœur est blessé, parce que notre cœur est touché. Et ce n'est pas simple, hein. On a des situations où il y a vraiment des offenses qui sont faites. Mais notre Dieu est un Dieu qui console, qui guérit, qui restaure. Amen. Regardez aussi l'exemple de Pierre. Pierre qui renie Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit « Dehors, tu n'es plus mon disciple ». Non, Jésus pardonne. En même temps, il lui dit « Trois fois m'aimes-tu » pour montrer qu'il a besoin. Il a besoin de Dieu, en fait. Il ne peut pas aimer Jésus de lui-même. Mais il lui dit, paie mes brebis. J'ai un plan pour toi, Pierre. Même si tu m'as renié, moi, je te pardonne. C'est fini. Et qui on voit à la Pentecôte prêcher avec assurance, être utilisé par Dieu? Eh bien, celui qui avait bénéficié du pardon. C'est-à-dire que quand Jésus a pardonné Pierre, il a donné à Pierre la possibilité d'être rempli de l'Esprit et de servir Dieu. Et quand je pardonne quelqu'un, je donne l'opportunité à quelqu'un de se relever et d'avancer. Je lui ouvre des portes. Amen. Vous savez, si nous voulons voir le salut des membres de notre famille, nous sommes condamnés à pardonner. Si je peux le dire comme ça. Si nous voulons les voir sauvés, il est important que nous pardonnions ceux qui nous ont offensés. Réalisant que notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais les dominations, les autorités, et le prince de ce monde. Amen. Et c'est vrai que dans le service de Dieu, j'ai vu des personnes choisir le pardon et des miracles se produire. Alors c'est vrai, des fois on pardonne, les choses ne se débloquent pas tout de suite, mais je pense à des personnes qui ont pardonné, qui étaient coupées de leur famille et leur famille est revenue vers eux. Je pense à une grand-mère que j'avais connue dans une autre église, elle ne voyait plus ses enfants, petits-enfants depuis des années. Elle a rencontré Jésus et à un moment donné, Dieu a mis le doigt sur ça, qu'il fallait qu'elle pardonne. Et lorsqu'elle a pardonné, quelques temps après, tout s'est débloqué. C'était compliqué, mais en fait, Jésus, Dieu est intervenu dans la situation. Je pense aussi à des personnes qui, eux, ont fait le choix de s'endurcir, de ne pas pardonner, qui ont rencontré de nouveaux combats, de nouvelles difficultés, de nouveaux problèmes. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre la volonté du Père. Oh, il veut nous pardonner et il veut que nous puissions pardonner à notre tour. Je termine ce message avec cette photo et cet exemple. Alors je vais essayer de le mettre. Voilà, vous voyez deux personnages. Cette femme s'appelle Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot et Jim Elliot. C'était des missionnaires dans une tribu, donc en Équateur. C'était dans les années 50. Et ce qui s'est passé, c'est que
les cinq missionnaires, donc Jim, ce que vous voyez ici, avec quatre autres hommes, sont allés dans cette tribu pour évangéliser. Et avant de venir dans cette tribu, ils avaient travaillé pour que la tribu comprenne qu'ils ne voulaient pas leur faire de mal. Alors, ils avaient envoyé des cadeaux, des colis, ils avaient envoyé des mots. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour se faire comprendre. Oui, c'était par avion. Et en fait, quand ils sont arrivés, il y a eu comme un quiproquo. Mais derrière ce quiproquo, on voit l'œuvre du diable. Et en fait, la tribu est venue et ils les ont tués, tous les cinq. Les cinq sont décédés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des années après, cette femme, donc Elizabeth Elliot, que vous pouvez voir un peu plus âgée ici, elle est là, ici, décédée en 2015. Eh bien, cette femme va repartir dans cette tribu avec une des sœurs d'un des missionnaires qui avait été tué. Et cette femme, en fait, va être un exemple de pardon. Elle va pardonner. Elle va pardonner et elle savait, parce que ces missionnaires étaient allés dans cette tribu pour leur apporter l'évangile, apporter Jésus, l'amour de Dieu. Elle va pardonner et vous savez ce qui va se passer? Bien, beaucoup de personnes de la tribu vont se donner à Jésus et dont un des assassins de son mari qui va se donner à Jésus. Cette femme va être un exemple de ce que je viens de partager avec vous ce matin. Vous imaginez, elle a été veuve, elle avait un enfant. Le mari est parti tôt, mais il y a eu la grâce de Dieu, il y a eu l'action de Dieu. Cette femme a décidé de pardonner, elle a été capable d'aller dans cette tribu. Elle a été capable, avec une des sœurs, d'aller dans cette tribu. Et là, il va y avoir une action de Dieu par le pardon qu'elle va donner. Elle va permettre le salut d'un grand nombre et elle va permettre le salut de l'assassin de son mari. Et cette femme, vous pouvez trouver son histoire, Elizabeth Elliot, elle a été vraiment un instrument de grâce et un exemple de pardon pour beaucoup de personnes. Amen. Et je voudrais simplement terminer ce message. Je veux croire vraiment et je crois que le Seigneur nous parle. Je ne sais pas quelle vision tu as de Dieu. La religion nous donne souvent la vision d'un Dieu dur, un Dieu qui ne fait pas grâce quand il y a des erreurs, il ne nous rate pas. Mais la parole de Dieu nous montre que c'est un Dieu qui en même temps n'aime pas le péché, mais qui aime le pécheur. C'est notre Père. Et la Bible dit qu'à la croix du calvaire, en donnant Jésus, notre Père nous a déjà pardonné. Ça, c'est sa part. Notre part à nous est de reconnaître et de recevoir. Et ce matin, je voudrais que tu puisses simplement accepter cette parole dans ton cœur pour des moments de ta vie où peut-être tu pèches, peut-être tu ne fais pas la volonté de Dieu. Reconnaître et recevoir. Et je rajouterai ensuite, chercher l'enseignement de Dieu pour ne pas retomber. Et alors que tu comprends que Dieu est ton Père, tu vas avoir une approche du péché peut-être différente. Non pas face au péché, disant « Dieu me condamne, Dieu ne m'aime plus, Dieu s'est parti, le Saint-Esprit n'est plus là ». Donc, comprendre que Dieu veut que je reconnaisse, Dieu veut me pardonner, Dieu veut me relever, Dieu veut m'enseigner. C'est notre Père. Et que tu puisses le recevoir. On a notre frère Fabrice qui a fait un témoignage sur la culpabilité qui bientôt sera diffusé. Et oui, de comprendre que Jésus m'aime tel que je suis, mais après, bien, comme il m'aime, il veut aussi me transformer et me changer. Amen. Et lorsque, bien, il me pardonne, ça me donne un avenir. Et de la même manière, Dieu m'appelle à pardonner les autres, pour donner un avenir aux autres, pour que Dieu agisse aussi dans ma vie. Je fais le choix de pardonner. Amen. Vous savez, parfois, je pense dans le couple, des fois on a besoin de pardonner, on s'en rend même pas compte. Des fois on peut avoir de l'offense, et je priais par rapport à cela. Et je disais, Seigneur, des fois on peut avoir une offense, on peut avoir des blessures sans s'en rendre compte. En fait, on peut avoir besoin de pardonner quelque chose. Il y a parfois des choses qu'on a enfouies. Et je priais, j'avais cette pensée, peut-être d'un couple, où il y a besoin de pardonner quelque chose que peut-être qu'on ne voit pas, on ne se rend pas compte, on fait avec, on vit avec. Mais le Seigneur nous appelle à reconnaître, à apporter à Dieu. Le Seigneur nous appelle aussi à pardonner le mal qui nous est fait. Amen. Alors j'aimerais simplement prier. Peut-être, Céline, tu pourrais prendre la guitare. Je pense justement, on a chanté un chant, « Tu tiens ma vie dans tes mains ». Et dans ce chant, il est dit, « Mes péchés, tu les as pardonnés par ta grâce, je peux pardonner ». Et que ce soit pour nous, frères et sœurs, quelque chose d'établi en nous. Notre Dieu nous pardonne. Alléluia. Et notre Dieu nous donne le pouvoir de pardonner. Et je veux prier pour
ces deux aspects. Et on a sur le chat aussi un lien. Peut-être si vous avez besoin de prière après cette réunion, vous pouvez remplir un petit formulaire, mettre votre besoin. Et après cette réunion, je vais prendre du temps pour prier pour vous. Alors, je ne vous verrai pas, mais je vais prier avec foi pour votre besoin. Premièrement, prier pour que je reçoive l'amour du Père, que je comprenne que le Père veut me pardonner, que d'un côté je reconnaisse et que d'un autre côté je saisisse. Il y en a qui ne reconnaissent pas et ils ont besoin de reconnaître. Puis d'autres, ils reconnaissent mais ils ne saisissent pas. Et dire, Seigneur, je crois que tu es ce bon Père qui veut me pardonner. À la croix, tu m'as pardonné. Aide-moi dans ma vie. Lorsque je pêche, au lieu de te fuir, de m'approcher de toi, de réaliser que tu m'es favorable, de m'approcher du trône de la grâce. Je te prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin du pardon. Tous ceux qui ont besoin, Seigneur, de se fortifier dans ta grâce. Tous ceux qui ont besoin de saisir que tu es ce Père qui ne nous condamne pas, mais qui vient nous libérer, nous délivrer du péché, nous pardonner, nous purifier si nous les confessons. Je te prie de faire de nous des chrétiens forts qui ne sont pas centrés sur leurs ressentis, mais qui sont centrés sur la victoire de Jésus à la croix. Aide-nous à être humbles aussi pour changer, pour se remettre en question, pour laisser la parole de Dieu prendre la place de la chair, des mauvaises habitudes. Merci de le faire, Seigneur. Amen. Je voudrais prier aussi pour ceux qui ont besoin de pardonner quelqu'un. Et peut-être en entendant ce message, tu peux penser à quelqu'un et dire, Seigneur, j'ai besoin de pardonner. Des fois, on ne se rend pas compte. C'est l'Esprit de Dieu qui nous éclaire. Dire, Seigneur, je désire pardonner. Et alors que je le veux, toi, tu me donnes le pouvoir, la capacité de pardonner. Je prie maintenant pour vous. Je te prie pour tous ceux qui ont besoin, Seigneur, de pardonner. Tu nous as dit de pardonner comme toi, tu nous pardonnes. Je te prie, mon Dieu, qu'ils puissent relâcher, qu'ils puissent apporter ce fardeau à Dieu ce matin. Qu'ils puissent laisser ce fardeau à Dieu, qu'ils puissent laisser toutes les pensées attachées à ce fardeau, toutes les pensées de colère, de haine, qu'ils les abandonnent ce matin et qu'à la place, ils prennent la parole de Dieu qui nous montre ce que tu fais lorsque nous pardonnons, que tu fais justice, que tu te sers de nous, Seigneur, pour amener la vie. Merci de bénir, je sens ta présence et je sais que tu agis pour quelqu'un ce matin et je te loue pour cela, qu'il puisse y avoir des témoignages de ta puissance. Merci Jésus, amen. Amen, on pourrait prendre ce couplet. Prends ma vie Seigneur, mes péchés tu les as pardonnés, amen. Prends ma vie Seigneur, voici ma vie. Tu es celui pour qui je tes mains, tu tiens ma vie dans tes mains, je suis étourdi par ton amour, émerveillé car tu m'aimes, tu tiens ma vie dans tes mains, tu tiens ma vie dans tes mains, je n'ai pas peur, ma vie est en tes mains, oh, oh, dans tes mains. Amen, amen. Nous te remettons toutes choses et nous te louons pour ta victoire. C'est par Christ que tout cela est possible. Nous te louons de ce que Dieu est notre Père. Et c'est cette vision du Père que nous voulons avoir, garder et que cette vision conduise nos vies, nos manières d'être, de parler, d'agir. Merci pour ta parole ce matin. Amen. Amen. N'hésitez pas, si voilà, vous désirez qu'on prie pour vous, à tout simplement remplir ce petit formulaire. C'est bien sûr privé, interne, pour qu'on puisse prier. C'est un petit peu
un moyen par Internet de faire un appel, on fait comme on peut, mais ça me permet moi d'avoir un retour et aussi de prier pour vous, afin que ce message eh bien, il puisse s'accomplir, se manifester. Nous faisons notre part, vous savez, et Dieu fait sa part. Un jour, quelqu'un a dit, mais comment faire vraiment pour pardonner, recevoir le pardon? Et la personne a répondu, il y a toujours deux acteurs dans le pardon, il y a Dieu et il y a toi. Voilà, toi tu fais ta part, Dieu fait la sienne. Et c'est toujours un acte de foi aussi. Vous savez, de pardonner, c'est un acte de foi. Et recevoir le pardon, c'est aussi un acte de foi. Mais lorsque nous croyons, eh bien, il y a la vie de Dieu en nous. Et ce que je viens d'apporter, tout simplement, et bien au-delà, c'est juste quelques passages, mais Dieu fait bien au-delà. Voilà, alors juste avant de vous quitter, je regarde le chat. Je vois Laurent Boucher, je vois Elisa, bonjour. Ronnie, voilà. Alors, je ne connais peut-être pas, mais bonjour. Qui c'est qu'il y a encore? Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres. Ah oui, il y a Fabienne aussi. Voilà, mais je vous salue tous. Hein. Voilà, dans le nom du Seigneur. Emeline aussi, je vois. Eh bien, super. Eh bien, je pense bien à vous. Gloire à Dieu. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Voilà, dans la grâce de Dieu. Voilà, on se retrouvera jeudi. Alors, ça ne sera pas moi qui prêchera, vous verrez. Mais en tout cas, le Seigneur va nous faire du bien. À très bientôt. Je rappelle toujours qu'il y a le culte pour les enfants sur le site des Minimes. Voilà, et on vous salue tous en famille. Voilà, tiens, vous pouvez faire coucou. Voilà, à bientôt. À bientôt.